à la position juste avant là. Donc c'est la HB02, faudra que je m'en rappelle. Voilà, donc ça c'est fait. Ouais, parce que c'est pas évident. C'est vrai que quand on change d'émetteur, après pour retrouver les bons réglages, c'est pas toujours évident. Bon, je suis avec le 480 SAT qui a tendance à avoir une radio peut-être un petit peu sourde. Hein. C'est un petit peu le défaut de ce poste-là. Et je suis avec le micro d'origine en plus. Hein. Donc bon, je verrai par la suite pour ajouter un micro un peu plus, comment dire, percutant et qui tourne un petit peu plus dans les aigus. Mais bon, là déjà, ça me donne une petite idée là. Et bon, avec ce réglage-là, ça devrait pas être trop mal. Hein. Ok, Yves. Hein. C'est moi de ton côté, c'est pareil. Hein. Moi, je t'entends super bien. Là, je suis en train de faire une petite vidéo en même temps là. Et la radio toi, est très très poussée, par contre. Hein. C'est vraiment très très fort. Hein. Ouais, effectivement, ça sature beaucoup moins là. Parce qu'avant, c'était à la limite de la saturation. Ouais, c'était bon quand même, hein, la radio était bonne, hein, mais t'étais vraiment limite saturation. Hein. Ouais, c'est excellent, hein. Ça reste percutant, ça reste bien clair. C'est beaucoup plus clair que tout à l'heure. Et la radio est toujours aussi percutante, hein. Mais tu as gagné un petit peu en clarté, on va dire, hein. Bon, peut-être effectivement, là, sur un signal un peu plus petit, peut-être que la première position est meilleure, peut-être, hein. Mais bon, là, je te dis, là, tu passes plus 10, plus 20 dB permanent, là. Donc, c'est vrai que sur un signal costaud comme ça, là, c'est tout de suite là, ça attaque un peu les oreilles. Hein. Mais bon, même dans la première position, c'était quand même correct. Hein. Ça posait pas trop de problèmes. Hein. Je te comprenais quand même très très bien. Hein. Ouais, par rapport au passage d'avant, j'ai pas vu de différence. Ouais, c'est peut-être légèrement plus grave, mais c'est vraiment, c'est quasiment pas audible la différence, hein. Ah oui, là c'est beaucoup plus sourd là. Ouais, je te disais que c'était beaucoup plus sourd là. La dernière position est beaucoup plus sourde que la position d'avant. Ah là, c'est impeccable, hein. C'est percutant, c'est pur, c'est excellent là. Ah bah c'est vrai que maintenant surtout sur les postes modernes là il y a tellement de possibilités que c'est pas toujours évident de trouver le bon réglage, le bon compromis. Et bah moi c'est pareil, hein, j'avais réglé le DSP émission ici là par rapport à avec un casque ni plus ni moins que tu branches sur le poste là avec la fonction moniteur, la monitoring. Mais bon, ça donne pas comme sur l'air, hein, c'est pas tout à fait pareil, hein. Donc j'avais fait un réglage approximatif, hein. Mais là c'est vraiment très percutant, c'est vraiment très très clair. Et bon, le signal a chuté un petit peu, hein, de plus 20 dB, tu repasses 57 maintenant là, mais la radio reste vraiment très très bonne, hein. Ouais, j'ai internet, mais malheureusement, je peux pas me connecter avant 20 h. Hein. Je suis en illimité de 20 h à 8 h, mais de 8 h à 20 h, par contre, je ne peux pas me connecter. Hein. Mais par contre, ouais, si tu veux écouter ton audio là, bon, peut-être pas ce soir, mais bon, à mon avis, demain ou après-demain, la vidéo sera en ligne là, du petit QSO là. Et bah, c'est pas compliqué. Hein. Tu vas sur YouTube et puis tu tapes mon indicatif, hein, tu vas tomber directement sur ma page. Hein. Ok, Eric. Hein. Je vais
compris, hein. Bah, ben, je vais voir ça là, demain ou après-demain, là, je vais voir un petit peu là. Je vais voir un petit peu mon audio, voir un petit peu ce que ça donne là. Ouais, je sais pas, il y a une station qui s'est manifestée. Je sais pas si tu as entendu de ton côté là. Donc, avec ta permission, Eric, j'entends le micro sur la station là. En avance. À 14 Alpha Yankee 007.